Donc, vous écoutez les vidéos d'avant, s'il vous plaît, là. J'étais en train, c'est ça, je voulais remercier, je suis allée chercher du pain. J'allais chercher du pain parce que il faut pas être gêné de dire que je travaille à mon compte, je me suis fait voler à ma dernière entreprise, j'ai été là, on va passer là, ok? Mais faut pas être gêné pour dire oui, je vais le revoir, là, tu vas donner l'équivalence, tu vas me donner l'équivalence de ce que tu m'as pris à la date de qu'est-ce que ça vaut, ok? Donc il faut dire, puis le pas entre demander mendier puis demander de l'argent, c'est très difficile. Laisse-toi pas mourir, ok? Moi, je suis passée par là. J'ai dû. Il y en a qui vont défoncer des fenêtres pour. Je veux pas que tu meurs, ok? Je veux pas que tu meurs. Donc, mon père était criminologue, puis inspecteur en prison. Il me l'a expliqué. Il dit jamais, ils ont carrément défoncé des fenêtres parce qu'il est en train de mourir de faim et de froid, ok? Fait que c'est la prison ou bien. Tu joues la. Tu joues à niaiseuse, puis t'as pas d'autre avenue. Sauf vous, Madame Robert, vous avez deux maisons, puis vous laissez votre fille là. Il y a quelque chose, ou bien vous êtes prise en otage, ou bien c'est de l'immobilier, c'est des mouvements immobiliers là. Donc de toute façon, ce que je voulais dire, à Québec, merci beaucoup aux gens de Québec, hein, parce que je suis sûre que la générosité, c'est tout à fait extraordinaire, mais là, c'est là qu'on dit, là, faut pas abuser, il y a de la magie, là, faut pas abuser, tiens, faut pas abuser de, faut pas abuser de la générosité, des gens, ok? Merci beaucoup à la générosité. Il faut pas abuser. Attends, je vais aller t'en chercher un autre. Attends, je suis capable, moi aussi, tiens. Hey, ok, beau. Attends, tu sais, ça, c'est beau. Attends, stop. Oh non! Là, ils sont pas bons, ceux-là. De toute façon, prends-les pas. Donc, ce que je voulais dire, faut pas. L'abus de la générosité, c'est grave, ok? Il y a matière à poursuivre quand il y a de l'abus, c'est-à-dire prendre, vendre, faire de l'argent, ok? Ou le manque de respect, laisser pourrir les aliments, puis laisser pourrir le frigo avec les aliments. Le frigo, il est malade. Le frigo, il est tout contaminé par des aliments pourris, OK? Ou la personne qui va manger, elle va prendre cette énergie-là pour aller détruire celui qui lui a donné. Dans l'exemple, on dit, mets pas du gaz, donne pas de l'argent, OK? Donne pas d'argent, ok, à du monde qui va mettre du gaz dans l'auto, qui va aller frapper de plein fouet ton fils qui le tue, ok. C'est là qu'on dit, quand tu donnes de l'argent, ça prend un gestionnaire, ça prend quelqu'un qui, genre, donne-tu pas de la bouffe à lui, là, donne-tu pas de la bouffe, ok. Ça va lui donner de l'énergie, il prend l'argent, il y en a de l'argent, il apprend, c'est un junkie, ok. C'est un junkie, il y en a de l'argent, il y en a. C'est un junkie, c'est un. Il fait du pornographie en ligne à longueur de. Ça, il peut aller dépenser tout son argent, il la dépense en ligne, en pornographie illégale en ligne. Quand on dit en ligne, c'est qu'il parle à la caméra. Ça, c'est un film, ok? Il y en a de l'argent, donne-tu pas de l'argent, ok? Donne-tu pas à manger? Comprends-tu? Ça prend un gestionnaire, c'est très magnifique, c'est magnifico.ca, ok? Merci beaucoup parce que je serais morte ou je serais allée tasser une fenêtre pour aller en prison ou je serais allée jouer la niaiseuse, tu sais, pour mourir de faim. Puis tu vas falloir que, de moi, est-ce que tu me volais, ok? On sait très bien les responsables, c'est quoi, on va faire que tu réponds, là. Ok, c'est tous des échangistes, là, c'est toute une gang d'échangistes, puis vous vouliez la petite gardienne dans votre lit, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est un verre solitaire, là, faut que tu le piques. Tiens, ça va mieux aller. Ok, je pense que ta fille a le bas solitaire. Donc, merci beaucoup. Ok, c'est juste ça, des beaux petits piments. Deux beaux petits piments. Tiens, c'est juste à la date de naissance que j'ai une question à poser. J'ai fait du riz, en train de faire coller. Quand j'ai vu ça, quoi, Gina Desbiens, une ancienne infirmière avec qui je travaillais au 5e OB à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, qui avait la même date de naissance que moi, le 21 janvier. On se ressemble un petit peu, hein? Gina Desbiens, du 21 janvier de naissance, qui travaille au 5e OB à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, est décédée. Mais voyons donc, jeune comme ça. Là, tu te dis,
Tu le voyons donc, mais tu te poses pareil la question. Ok, ça va marcher avec ça. Là, tu poses, c'est-tu quelqu'un qui avec. C'est-tu quelqu'un parce que tu poses, vu qu'elle a la même date de naissance que moi, puis qu'elle est infirmière, puis qu'elle me semble. Est-ce que c'est quelqu'un qui me veut du mal? Mais moi, je ne sais pas pourquoi, là. Moi, je ne sais pas pourquoi qu'on voudrait du mal, ok? J'ai aucune raison que quelqu'un me voudrait du mal, mis à part s'il y a des maniaques, des détraqués, ou quelqu'un, tu penses que j'ai vu ton dossier à l'hôpital, ou tu penses que je t'ai vu au spa, ou tu penses que je t'ai vu dans un bed and breakfast alors que j'étais en vélo entraînement, ok? Puis là, tu capotes des raies, puis ou tu penses que j'ai couché avec ton mari, puis tout ce que je sais que c'est une infirmière, puis c'est le 21 janvier parce que j'ai vu ça sur des papiers, ok? Ben c'est très grave. Là, c'est là qu'on dit, si tu fais partie de tout un groupe, ok? Puis que ça vient tout de ce saucisson-là, là, ok? T'étais-tu dans un party du quartier dès la journée que j'ai déménagé avec ta gang d'échangistes, des échangistes? Non, je ne suis pas échangiste, puis je suis pas aux femmes, ok? Puis là, c'est là que tu comprends que ça, c'est plus que, ah, oh, ben c'était juste un désir sexuel. Non, ça c'est chaud, là. C'était pas des histoires de, c'est de la criminalité, ok? T'es sur un plancher de garderie. Plus vite que ça, je comprends pas pourquoi qu'il y a personne qui comprend puis qui allume. Allume plus vite que ça, ok? Tu comprends-tu? OK? Tout ce que tu bloques, là, à un moment donné, ça va être. Ce que tu bloques là, là, ça va te. Ah, oh, tu sais que ça va te frapper solide tout à l'heure. T'as pas idée comment ça va te frapper solide tout à l'heure. Dans le sens que ça va être les personnes qui sont les plus chères de ta vie, puis toi-même, que ça va. C'est là qu'on dit qu'il faut croire la croyance. On dit l'effet. T'as l'effet boomerang. L'effet boomerang. L'effet balancier, puis l'effet boomerang. OK? Pour l'instant, il est tellement occupé, là. Laisse faire ça! Vas-y on s'en va dans, on laisse faire la division des pères, là, on s'en va dans t'envoies ça dans l'enfer, envoie tout ça à l'enfer, oh ouais, viens, là, tout en enfer, oh, qu'on dit que ça soit vrai.